ça va? Merci à tous d'être venus, d'être mobilisés. On est obligé de vous rappeler qu'on a droit de manifester ici, dans la mesure où on fait respecter strictement les mesures sanitaires. Même si on les critique, on doit les respecter pour être dans la légalité, donc pour avoir la permission de rester et de ne pas être verbalisé. Donc on compte sur vous pour tous rester suffisamment à distance les uns des autres. Donc je vous invite à ce que tout le monde recule un peu d'un pas et qu'on vraiment soit tous à 1 mètre, 1,50 m. Et à tous, veillez à porter le masque. C'est à ces conditions qu'on aura l'autorisation et qu'on pourra continuer à manifester. Dommage qu'on n'a pas un drone pour filmer de haut, comme les images de la place à Turin et à Rome. Bonjour. Gardons les distances. Gardons les distances. Donc Carlo, je pense. Carlo, c'est moi. Enchanté, Karim. Enchanté. Enchanté. Bonjour Rémi. Bonjour. Ça va, t'es présent? Ah bah c'est mieux. On a une sono pour pouvoir parler, Carlo. Donc parler dans la sono avec le masque. On est tous d'accord que porter un masque, ça nous empêche de communiquer les uns avec les autres, ça nous empêche de nous sourire, ça nous empêche d'avoir des rapports humains basiques qui sont essentiels et qu'on devrait tous pouvoir avoir. Ils veulent nous déshumaniser en nous obligeant à porter ces masques systématiquement dans la rue. Ils veulent nous couper toutes nos libertés. Ils veulent nous empêcher de nous réunir pour nous parler, pour que tous les uns les autres on puisse s'informer et se conscientiser. Voilà le but de ces mesures. Voilà le but de ces restrictions de privation de liberté. Et nous on est là, donc aujourd'hui ça a été une grosse lutte pour venir. J'aimerais bien que chacun d'entre vous, on essaye d'avertir les copains, d'envoyer des SMS en disant « Venez, la manif est déclarée, la manif est autorisée. » On a jusqu'à 18h, les amis, 18h pour faire venir du monde, pour qu'on puisse être des milliers à dire non à cette dictature sanitaire, non à toutes les mesures prises dans un obscurantisme total et dans un déni de démocratie. Donc il faut vraiment qu'on continue tous à amplifier cette mobilisation. Je voudrais déplier la petite banderole qu'on a fabriquée hier. Vous avez besoin d'aide? Même le climat nous est favorable. C'est le meilleur décor qu'on puisse avoir. Merci beaucoup.